J'ai, on a un problème, je pense qu'on n'a pas pris, j'ai modifié, on va falloir changer de, parce que je me rends compte que le début du PowerPoint c'était le même, mais là j'ai autre chose à vous dire, c'est, il est sur l'autre PowerPoint, après parce que, hein? Ah, oh, c'est parce que j'ai fait la diapositive après au mois de juin. J'ai fait cette diapositive-là au début de l'accident et il faut la remettre à jeu. Mais les pertes officielles, c'est ce que je te dis tantôt, c'est environ 600 000 tonnes. Donc, ça fait plusieurs millions de barils, là. Il y a 4 barils par, plus que ça. Je me souviens, 40 barils par tonne. Donc, ça fait des millions, des millions, des millions de barils. On va changer de PowerPoint parce que je me rends compte que j'ai d'autres choses importantes pour finir avec ça parce que les étudiants, je veux vous emmener sur deux éléments de décision, si vous voulez, où là, on a parlé pas mal de toutes les conséquences du pétrole, de tout ça. Et vous autres, vous nous avez parlé en entrée tantôt d'engagement, d'implication. Il y a, évidemment, si on veut défendre une position d'implication, il faut être en mesure de la défendre solidement avec des bons arguments. Ce n'est pas juste des arguments qu'on a une demi-douzaine d'oiseaux englués ou qu'on va peut-être perdre un peu de biodiversité sans pouvoir démontrer qu'on va en perdre, qui va emmener le morceau. Ce n'est pas comme ça. Il y a des approches que vous pouvez examiner de beaucoup plus près et je vous engage à aller faire un peu de, comment dirais-je, de lecture ou de. Oui, documentation sur les nouvelles approches maintenant qui se développent, qui s'appellent les services d'écosystème. L'approche service, les services d'écosystème, c'est assez simple au départ, puis ça se complique ensuite. Au départ, c'est qu'est-ce que les écosystèmes nous apportent à nous, les humains? Facile à poser la question, difficile à répondre. Okay? Mais maintenant, il se développe des approches de gestion en utilisant ça. Les jeunes militants en particulier, vous allez possiblement aller avoir à discuter ou à débattre avec des gens qui sont des gestionnaires. Okay? Donc, qui vont vous dire, ah oui, mais là, vos principes, vos beaux principes d'environnement propre, puis je ne veux pas de pollution chez nous, puis pas de pétrole, vous allez recevoir des arguments de gestionnaires, des arguments d'économistes. Et c'est, à mon avis, c'est sur ce terrain-là qu'il faut être capable de débattre. Donc, et pour débattre sur ce terrain-là, je crois que ce qui s'appelle les services d'écosystème, c'est là qu'on est capable d'aller débattre puis de dire, oui, ça vaut quelque chose, les écosystèmes. Dans le cas de milieux marins comme on a là, les premiers sont faciles à trouver. C'est ça que j'avais sur ma diapositive. Les tout premiers sont faciles à trouver. Pêcherie, c'est facile. L'écosystème marin. Alimentation humaine, alimentation animale, médicaments, tout ce qu'on peut tirer du vivant. Donc, si on nuit aux pêcheries, on nuit énormément à l'un des services d'écosystème dont on a besoin pour la population. Le deuxième, facile aussi, tourisme. Donc, c'est quoi tourisme? C'est la capacité pour l'humain de jouir d'un environnement qui l'aime. Il y a des questions éthiques et même esthétiques et même éthiques là-dedans. Il y a toutes sortes d'éléments comme ça. Donc, pourquoi que c'est si important? Pourquoi que c'est si important que l'environnement marin ne soit pas pollué? Ça a l'air une question niaiseuse, mais il faut répondre comme il faut à une question comme celle-là. Pourquoi que c'est si important? Comment ça que c'est important? Il y a des valeurs personnelles dans votre réponse, voyez-vous, mais une simple réponse émotive en disant « Oui, mais là, faut pas, il faut protéger. » Ça ne tient pas longtemps la route devant un argument économique en disant « Oui, mais il faut nourrir le monde aussi. » Donc, quand vous prenez une approche pour avoir une approche plus constructive, aller vers une approche comme celle-là, c'est-à-dire regarder les services d'écosystème. Après cette approche-là, c'est quoi les services que me rend le milieu marin au large des îles de la Madeleine? Un, les pêches, OK, bingo. Deux, les touristes, oui, bingo. Après, c'est quoi? OK, il faut en trouver trois, il faudrait en trouver quatre. Il y en a peut-être d'autres qu'on peut trouver. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver? C'est une question profonde. Et plus que vos questions, plus que vos réponses à ces questions-là vont être bien formulées, plus que votre argumentaire va avoir du poids, finalement, face à
à un autre argumentaire qui va vous dire « Oui, c'est bien beau, mais vous savez, il faut prendre des risques parce qu'il y a des contingences économiques importantes. » C'était le message que je voulais laisser. Je le fais par cœur un petit peu parce que sur ma diapositive, c'était meilleur. Mais juste par cœur comme ça. Et la dernière question que je voulais vous poser, avez-vous déjà réfléchi, si je vous posais, c'est pas un examen, hein, mais j'étais un vieux prof, si je vous demandais, c'est quoi les 5 composantes du bien-être humain? Il y en a 5, essentiellement. Manger, loger, c'est un. C'est rester, c'est de base, c'est les services de base. Ça, ça en fait un. Oui, deux, santé. Hein? C'est un bien-être, c'est bien important, santé. Trois, sécurité personnelle, communautaire, pas juste à cause des bandits, mais aussi à cause de sécurité, à cause de catastrophes, par exemple. On a déjà trois, il en manquerait peut-être deux. Oui, mais c'est... C'est du bien-être, je suis d'accord avec toi, mais absolument. Il y en a d'autres, vous en avez, vous en pratiquez une de très, très importante maintenant. C'est ça, le droit à la parole et à l'action. Le droit à la parole et à l'action, ça fait partie des éléments du bien-être. C'est l'un des éléments essentiels du bien-être. Donc, essentiellement, là, on les a pas mal tous couverts, on en a au moins 4. Il y en a peut-être d'autres qu'on pourrait imaginer, mais on les rappelle rapidement, donc il faut pouvoir manger, rester quelque part, être protégé des éléments, etc. Il faut assurer sa santé physique et mentale. Okay? Il faut assurer sa santé, mais il faut assurer sa sécurité, sécurité de ses enfants, sécurité de sa maison, sécurité de ses biens, contre les catastrophes, contre les bandits. Il faut avoir le droit de parole puis le droit d'action. Ouais. Pas si clair que ça. Santé humaine? Est-ce qu'il y a des chiffres, des faits, quelque chose qui est évalué? Oui. Il y a des assez bons travaux faits sur l'Exxon Valdez, sur les communautés humaines ayant subi l'accident d'Exxon Valdez. En fait, les problèmes de santé humaine vont surtout être des santé psychologique, psychique. C'est essentiellement là que sont les problèmes. En termes de toxicité, c'est relativement modeste. Il y a peut-être des problèmes respiratoires à cause des vapeurs, tout ça, mais c'est presque rien. Les problèmes majeurs, c'est des problèmes de santé mentale. Et oui, découragement, désespoir, suicide, famille anéantie. Oui. À cause d'un mode de vie complètement bouleversé. Un pêcheur, ça pêche. Et puis, généralement, ça veut aller pêcher à tous les jours. Et si, à un moment donné, on lui dit, « Bien là, non, tu ne peux plus aller là. Les zones de pêche sont fermées, tu n'as pas le droit d'aller pêcher. » Le pêcheur est psychologiquement très dérangé. Toi, ton job de tous les jours, je te dis, ben une valeur, demain, tu ne peux pas faire ça, là, regarde, on a déversé quelque chose, tu n'as plus le droit de faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu vas attendre dans un mois, 6 mois, on va peut-être pouvoir. Les gens sont extrêmement touchés par ces accidents, par ces choses-là. Et en plus, les problèmes de nature économique aussi, donc le pêcheur qui fait faillite, que ça va mettre la chicane dans la famille, toutes ces conséquences psychologiques et psychiques-là sont majeures. Ils sont relativement bien documentés, à tout le moins pour l'Exxon Valdez, à tout le moins pour les communautés qui étaient là, parce qu'on était en présence d'une communauté relativement petite et fermée. Donc, on a eu plus de facilité à comprendre les impacts sur cette communauté-là, qui a été décimée, là.
Les gens sont partis par milliers. Il n'y avait plus de job, il n'y avait plus rien, le moral à terre. C'est important le moral d'une ville ou d'un village, ça. C'est majeur. Ça va bien ou bien non. Si tout le monde est down puis ça va tout mal, t'as plus rien. Et ça, c'est des pertes considérables qui sont impossibles à chiffrer. Hein. Comment ça vaut, ça? Un million? C'est un quart de million? 5 piastres?